Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode du défi à l'aveugle. Alors la dernière fois on s'était arrêté à 6 victoires 0 défaites, donc on va tout simplement reprendre à 6 victoires 0 défaites. J'ai recommencé un super défi. J'avais joué, non j'avais pas joué ça je crois, j'avais joué un deck cimetière, voilà j'avais joué ce deck cimetière qui est pas mal méta aussi, je vous le conseille. Je vous le conseille, je vous le conseille. Du coup, on va aller copier directement un deck. Ici, on va prendre le deck numéro 7, enfin le joueur numéro 7. Hop, on va faire gaffe de pas regarder le deck. Je sais que j'ai déjà fait. Ok, on copie. Allez, c'est parti. Ok, du coup, on tombe contre un joueur coréen. Donc, j'ai l'air d'avoir un deck double prince, avec les gobelins, avec les chauves-souris. Ok, il paraît qu'un fantôme fond de map. Je vais juste mettre un prince pour aller. Ok, non, j'ai un deck mortier finalement. Ok, il paraît qu'un bûcheron fond de map. Mon prince devrait faire le taf, je rajoute des chauves-souris. S'il zappe, j'ai mes gobelins. Et si je vais juste mettre des gobelins à lance, je peux counter-push avec un mortier. Ok, parfait. Ici, j'ai boule de feu et bûche. Je vais aller tuer l'archer magique avec ma boule de feu directement. Ok, il met un dragon de TDE, c'est bien joué. Je vais devoir mettre mes gobelins pour aller chercher ce dragon en espérant qu'il n'ait pas de bûche. Il n'a pas son zap dans son cycle normalement. Ok. Ici pour défendre le fantôme, je vais mettre mon prince encore une fois. Il va sûrement remettre son bûcheron. Il n'a pas utilisé son zap, donc il a son zap, faut que je fasse attention. Mon prince qui devrait charger normalement, donc j'ai pas donné de petites troupes à zap. Il va peut-être le zap pour éviter la charge. Ok. Bien joué de sa part, il n'a pas fait l'erreur. Ici, je vais juste mettre un push mineur et chauve-souris. Ok, il a mis un archer magique. Il met un golem de glace pour défendre, c'est bien joué. Je vais pouvoir boule de feu cet archer. J'arrive pas trop à voir quel deck il est en train de jouer. Ok, parfait. Ici, il met un battle ram, il met un ghost. Je vais devoir défendre avec mon prince vu qu'il a rajouté un ghost. Malheureusement, je crois que ça va connecter. Aïe, ça connecte. Grosse connexion. En plus, le barbare qui a pas focus le prince, qui a focus ma tour. Ok, non, je peux pas mettre de mineur pour contre-attaquer, c'est dommage. Ok, ici je vais mettre des gobelins à lance. Je vais mettre mon mortier. Hop, mon mortier. Je vais mettre une boule de feu pour aller gérer cet archer encore une fois. Parfait. Il va sûrement mettre son dragon d'enfer, donc je vais tanker avec mes gobelins. S'il les zappe, je vais tout simplement mettre. Ok, il zappe, hop. Prince et chauve-souris. Hop, je vais mettre une bûche ici. Ok, parfait. Normalement, ça devrait tout gérer. Est-ce que le mortier a eu le temps de connecter sur la tour ou pas? Oui, le mortier a eu le temps de connecter. Du coup, je vais tanker ça avec des gobelins. Ok, deux coups de mortier. Là, je vais me préparer en défense. Ok, il remet un archer magique. Juste le boule de feu encore une fois. Faut que je fasse attention à un push battle ram. Ok, ici, je vais mettre un mortier en défense. Vu qu'il part avec un dragon de l'enfer dans le fond, c'est vraiment pour temporiser à fond, je prends pas de risque. Ici il va sûrement mettre un battle ram. Ok, je vais mettre mes chauves-souris pour tanker ça. Je vais mettre des gobelins à lance. Une boule de feu pour aller gérer ces deux troupes. Et je vais partir en counter push avec un mortier. Et je vais tanker avec le prince. Ok. Ici je vais mettre un mineur pour mettre de la pression. Je vais mettre mon gang de gobelins en premier et mes chauves-souris ensuite. Ok, je vais mettre d'autres gobelins à lance de ce côté. Ok, c'est bien joué de sa part, il se défend bien. Je vais devoir bûcher en défense pour pas prendre trop de dégâts. Ici il part avec un battle ram, donc j'ai tout simplement boule de feu. Ok, je vais mettre des gobelins au milieu pour tout attirer. J'ai racheté des gobelins à lance ici. Un mortier et un mineur. Hop, je vais mettre des petites battes pour aller gérer ce fantôme. Je pense qu'il va les zap. Ok, il ne les a pas zap. Ok, un peu tard sans zap. Ah, malheureusement, le mortier qui ne va pas connecter. Ok, ici je vais partir avec un prince. Avec des gobelins à lance. Ah, malheureusement, il a mis un archer magique. J'ai mis mes gobelins, du coup, qui vont servir un peu à rien. Ok, ici. Ok, hop, je vais mettre un mortier pour tanker ça.
Ok. L'archer magique il me pose beaucoup de problèmes là. Ok. Du coup, cette game qui est vraiment super serrée, j'espère que ça va pas être la première défaite de la série. Ok, il lui reste 6, 700 PV, je vais mettre un prince pour défendre. Je vais rajouter des gobelins à lance. Ok, il a pas zap, c'est parfait. Ici, je vais mettre mon mortier. Je vais rajouter un mineur. Je vais mettre un maximum de pression. Ok. Le mortier qui va peut-être aller finir à tour. Le mortier qui va finir à tour avec une boule de feu. Je rajoute une petite boule de feu. On va lui dire bien joué. C'était un super match. Super serré. Un très bon joueur en face. Du coup, quel était son deck? C'était un deck bridge spam à l'ancienne. Avec zap et pas boule de neige. Quel était son profil? Un profil assez correct. Un profil assez correct. Du coup, on va partir dans le top encore une fois. On va aller copier hop, ce joueur, Red Wolf. Ok, on copie. Hop, place 1. Enfin, je sais pas comment dire ça. Sur le premier slot. Ok, on se retrouve contre Joss 8. Du coup, j'ai un deck géant 3 mousquetaires. Donc, sûrement le deck basique. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ok, il met un cochon. Du coup, je vais juste mettre mes 3 mousquetaires pour aller gérer tout ça. Qu'est-ce que c'est que son deck? Ici, la défense qui est assez propre. J'ai contre-attaqué directement avec un bélier vu qu'il a mis pas mal d'exir dans son push. Ok, hop, je zappe ça. Ok, parfait, un mousquetaire qui survit ici. J'ai peut-être même aller chercher la tour directement. Hop, propre le début de game, très propre. Très très propre comme début de game. Ok. Ici je vais mettre des chauves-souris, hein. Je vais mettre des chauves-souris, je vais mettre un gang de gobelins pour aller tuer le cochon. Ok, parfait. Donc, il doit avoir aussi une boule de feu, je pense. Je vais juste mettre une pompe ici. Ok, il part avec une armée squelette. Je vais mettre ma horde de gargouille pour défendre l'armée squelette. Et je vais juste temporiser, je vais pas forcer. J'ai mon zap qui est prêt selon ce qu'il met. Ok, un golem de glace, c'est bien joué de sa part. Il rajoute des bases, j'ai pas besoin de les zap. Ça serait un gâchis d'élixir. Du coup, j'ai parti avec mon géant en fond de map. Ok, des chauves-souris ici pour défendre. Je pense pas qu'il ait de zap. Ah si, il a un zap, j'avais oublié qu'il l'avait mis tout à l'heure. C'est il n'a pas de bûche. Du coup, ici je vais sûrement mettre mes 3 mousquetaires. Ok, je vais mettre mes 3 mousquetaires. En espérant que le dragon meure. Le dragon qui ne meurt pas. Aïe aïe aïe, j'ai rajouté mon bélier de combat. Faut que je fasse attention à l'armée squelette. J'ai mon zap qui est prêt pour l'armée squelette. Oh, il a un méga chevalier. Ah, je m'y attendais vraiment pas là pour le coup. Son méga chevalier va me prendre la tour, mais c'est pas très grave. Je suis allé chercher l'autre tour. Méga roux qui font un bon taf ici. Je vais contre-attaquer avec un géant, avec un gang de gobelins et des chauves-souris dès que je peux les poser. Ok, je vais mettre mes chauves-souris ici. Ça devrait faire le taf. Mon bélier de l'autre côté. Et normalement, c'est les 3 couronnes sans trop de problèmes. Du coup, on est en 8-0 pour cette série. Parfait. Avec un petit deck géant 3 mousquetaires. Du coup, on va aller copier un autre deck. On va prendre vers la fin cette fois, vers le top 200. Je vais aller chercher le deck de Rento, joueur japonais que je ne connais pas. Avec un profil assez correct, même plutôt bon. Et du coup, c'est reparti. Ok, on se retrouve contre un joueur japonais encore une fois. J'ai un cimetière, un bullish, une tombstone, une méga gargouille. Ça ressemble à un deck splash yard, mais avec tombstone. Ce qui est assez bizarre, méga gargouille aussi, c'est assez bizarre. A voir ce que ça donne. Il a un bébé dragon. Ok. Hop, je vais marcher avec mon chevalier fond de map pour temporiser. Il y a des flèches aussi. Ok. Et oh, j'ai un gel. C'est un deck cimetière gel. Donc c'est un bon deck ladder, je pense. Mais en défi, ça doit pas trop être le cas.
On va voir ce que ça donne. Parce que le gel en défi dure moins longtemps qu'en laser, ce qui le rend beaucoup moins fort. Ok, si je vais flèche, pour aller gérer ça. Ok, si je vais mettre une tombstone. Aïe aïe aïe. Et si je prends beaucoup de dégâts, il va sûrement me défendre avec, avec un dragon de l'enfer, donc je peux pas réellement counter push. Je vais quand même essayer de mettre un cimetière gel. Vu qu'il a rajouté une fournaise un peu inutile là pour le coup, je vais attendre que ça tank. Ok. Je vais sûrement gel. Ah, j'attends de voir ce qu'il fait. Ok, ici je vais gel, c'est sûr. Oh, le dragon de l'enfer qui fait un demi-tour malheureusement. Heureusement qu'il est pas trop trop fort contre le cimetière, mais ça va, il a fait quand même une très bonne défense pour le coup. Bravo à lui. Du coup, je vais mettre mon bébé dragon ici. Ok. Ok, ok. Ici, je vais défendre avec chevalier et tombstone. J'aurais pu mettre la tombstone directement sur le géant royal pour avoir les squelettes directement en contact. Petite erreur de ma part. Malheureusement, j'ai pas de tornade ou quoi pour faire reculer. Ok, ici, un cimetière. Hop, j'ai mon gel qui est prêt. Hop, je vais gel ici. Avant que mon chevalier meure. Ok, il a mis un coup. Ok, je mets quelques coups en plus. Il y a moyen que je gagne cette game finalement. C'est compliqué, mais il y a moyen. Ok, c'est parfait. Ici, je vais coller ma tombstone. Je vais pas refaire la même erreur. J'ai mis un bébé dragon, je voulais mettre un chevalier. C'est pas très grave. J'ai pas pris de coup. Ok. Ah, le chevalier aurait été sûrement mieux. Ok, énormément d'esprit de feu ici. J'attends qu'il mette ses gardes et je gèle. Ok, ça part en gel ici. Normalement, c'est la win. Normalement, c'est une win ici. Ok, je rajoute un bébé dragon. Et parfait. 9-0. 9-0 pour ce défi à l'aveugle. Hop. Du coup, on a joué contre ce joueur japonais avec un très bon deck. Deck de Tom Gézor, gros joueur français. Qui est actuellement, je crois, 3ème et 6ème mondial, quelque chose comme ça. Donc je vous recommande ce deck qui est très très fort. J'avais un deck assez particulier mais qui a bien marché finalement. Je me voyais pas très gagnant dans ce matchup, mais vu qu'il avait pas de poison, il avait beaucoup de mal à défendre mes cimetières. Merci à tous d'être passés sur la vidéo. Je vous dis bye bye à la prochaine.